ou sou Wendy 509 ou fait bon choix haïtien tout côté branché channel ça en pile information commentaire à canal haïtien qui dans Chili haïtien qui en Argentine en Équateur haïtien qui dans pays la Turquie haïtien qui dans pays Mexique États-Unis Canada haïtien qui la Turquie haïtien qui dans Saint-Martin la République Dominicaine branché Wendy 509 pour toute information commentaire ak analyse nous gen un dossier là oui côté Jimmy Cherizier alias barbecue monsieur a mené une guerre ou alors monsieur gen deux types de guerre que l'a mené youn contre média yo alors ça est première guerre que monsieur a mené hein média et puis oligarque yo gon l'autre type de guerre que monsieur a mené son guerre contre la police donc dans quatre dernières vidéos ça que Jimmy Cherizier alias barbecue mettez de yo a monsieur a attaqué alors deux catégories ça yo la police avec média yo et vidéo ça que monsieur sorti a son vidéo choc et c'est ça qui fait que nous pral invite autant de après pour nous faire des considérations par rapport à elle parce que semble bataille que barbecue a mené hein c'est pas en bataille qu'a fini kounya et m'a dit un gros bonjour un gros bonsoir à chaque demain qui va regarder vidéo ça et nous songe m'bagé trois m'gè tout ça quand 3 ou 4 jours depuis que m'te dit m'a fon silence moun pa t'tande m'encore mais matin m'obligé faire vidéo ça nous remarqué très matinal et je dis c'est jeudi 20 juin 2024 nous sommes très matinal nous sommes aligné ça au terre m'aligné au terre m'a fait vidéo ça pour l'histoire et pour la vérité. M'a fait vidéo ça pour moi pour un journaliste tête en bas non qui caché quoi à l'étranger qui dit a bay pays en coup de main. J'ai remé dire mentor. Pas go qu'un coup de main n'a bay. Au contraire, tant pour nous bay coup de main nous cap détruit et nous cap craser. N'en bay vient information tête en bas. Bon prend exemple avec nous. Si nous bon monde qui dans ghetto n'a bon $50 ou $100 faire le cadeau et normal monde ça a chercher information pour le bas nous. Ou quand même si ta m'a fait vidéo là pas gon moun zone ka autorisé vin là c'est pas on nèg azam qui relo vin là ça veut dire que bagay n'a réglé dans zone là moun nan ka habiter dans zone là même konnèl pa konnèl on a un pour nèg azam qui dans base là côté mié là sou pa gen grade dans base là ou pas ancien dans base ou pa ka arriver côté mié là là dit même nèg ka azam dans base là gen information gen bagay ka réglé pa ka baou et gen l'autre bagay ka réglé c'est nous deux, nous trois, nous quatre candidats côté n'a pas là comme chef et sorti dans l'histoire nous décider mettre tel bagage qu'a fait pour me faire peuple haïtien qu'on est un groupe monde qui propose y'a PD c'est intérêt personnel yo même si t'as des nègres tu li pas besoin de job dans l'état même si t'as des nègres tu et lui même et dans pays li besoin venir menti derrière retourner dans pays an gon l'autre objectif qui est caché d'elle nègres la font non pour retourner dans pays an gen intention pour venir candidat pour venir sénateur on vend gen intention pour venir ministre dans pays bref et pas de ça m'a parlé je juste répondre ça parce que gen un journaliste tête ba on dit c'est influenceur il pas journaliste ti sa Canada ouais même non nous pas cité nous même gens tout barbecue pour le boucaner dans bouche tout moi même non nous pas cité et parce que valeur nous ba moi baba nous toute valeur ça moi même date n'a fait interdire d'autres pour le boucaner ceci voler magi révolutionnaire bon cathédrale nous ça pas briding moi mon objectif m'a goumé mon pour ça m'a goumé OK et ça fait chaque jour font travail mental font travail psychologique avec nèg qui gen zam lanmen yo parce que soit goumé on fait bataille pays soit goumé on fait révolution gen série de bagay qui pa bon bon rentrer dans sujet a monsieur Simoyo bon monter nous ça m'a pété téléphone là parce que m'gen bagay m'bra montrer peuple haïtien sous vidéo ça monsieur Simoyo peuple haïtien regardez dans la police regardez des lynchers ça autant même là et Vladimir Saint-Hilaire alias catalogue monsieur Simoyo fait inventaire dans base nous dans inventaire n'a fait dans base nous dis-moi si nous jeune délinché ça yo parce que délinché ça yo c'est Vladimir Saint-Hilaire qui vend moi OK et you know ils ont fait une bonne décision pas pour me citer non aucun monde qui compte vendre mes zame parce que raison l'elle est arrivé devant tribunal sérieux pour ma. Alors dans vidéo ça, un point qui attire attention nous, c'est côté barbecue. D'abord parce que monsieur Gonkote Lichita, on a l'impression que
côté monsieur Chita pas gè aucun bataille qu'a fait là parce que nous battons des armes coup de balle qu'a tiré nous pas attendre rien donc son nèg qui safe côté lié alors gè on bagaille barbecue dit qui attire attention c'est côté monsieur dit que gagne deux bagailles que l'a fait dans zone côté lié même moun dans zone là pas connaît même on série de soldats pas connaît même on série de nèg qui allié yo pas connaît qu'on a question on a posé de qui gagne deux bagailles monsieur a parlé donc est-ce que dans gagne deux bagailles ça certainement gagne des bons bagailles côté nèg yo a mettre stratégie en place côté nèg yo a élaborer des plans d'attaque ou bien des plans pour défendre yo par rapport avec attaque la police ou bien qu'on gagne de l'autre et bagaille qu'a fait tant coup kidnapping parce que qu'on le veuille ou non barbecue capable toujours on est guillé même pendant kidnapping personnellement mais est-ce que barbecue gagne contrôle toute l'autre nèg qu'a travaillé ensemble avec lui ça me bakwel alors peut-être que barbecue gon vérité que le bail le dit gagne de bagaille que l'a fait côté le chita dans zone côté lia mais moun dans zone pas connaît donc ça veut dire que nèg yo ka très à l'aise yo mené une série d'opérations faire une série d'exactions lorsque moun yo ou même yo pas au courant de ça côté barbecue y a de qui ça cap fait. Alors, bon deuxième considération qui est important. Barbecue montre à clair que nan niveau que la police la rive là, tellement la police là gen des éléments là-dedans qui mélangé avec gang ou est ça ne les vetting nan qui veut dire séparer bon policier de mauvais policier pour nettoyer la police là. Son bagay qui vin coûte que coûte faut le faire parce que ouais s'il pas fait c'est comme si nous tout assister à défaite la police là son la police qui crasé et ouais le barbecue a présenté matériel que des policiers qu'on vend ni c'est tout barbecue a tout montré dans quel niveau que la police là pourri parce que une réalité que nous comprendre c'est pas en question de certains policiers qui pas bon parce que l'on parle de certains policiers ou parler de la police en tant qu'institution. Non, au premier moment, on parlait de la police là. En tant que monde, alors, ou garde le leadership la police là, parce que on est cap diriger la police là, au sens qu'on est qui est-ce qui dans la police là, qui bon, qui est-ce qui pas bon. Gon deuxième niveau, gagne la police en tant qu'institution. Gon Jean Poulier. Et gon série de communication qui pas de fait autour de la police là. Donc ça veut dire que barbecue peut-être a mette policier ça yo en difficulté, mais ça ne pas arriver comprendre. Et c'est là oui message ça important. C'est que monsieur a montré que la police a tellement pas bon. Faut que fait vetting na donne. Donc barbecue tout craser la police là une fois. Mais gon l'autre bagage qui est extrêmement important dans ça. C'est que barbecue a adressé son message avec haut gradé ou bien haut commandement la police là avant même que lui adresser là avec média. Ouais nous même dans média nous prend information ouais nous avons analysé le même barbecue qu'on a qui est li adresser message là et c'est à au gradé et lorsqu'on dit au gradé m'pa quoi que barbecue a parlé avec Foncel B qui déjà connaît que le pape là encore m'pensais que la et adressé là avec Normil Rameau qui demain à partir de 10h monsieur c'est lui même qui va prendre bac la police là parce que l'a installé donc message à Normil Rameau qui va venir prochain DG la police là pour montrer la nécessité pour que vetting fait en dans la police là parce que jaba elle est là par rapport avec état la police là il pas gain rien de sérieux que le café actuellement là si pas gain un nettoyage qui fait en dans donc Rameau remplacer LB alors grand pile histoire en pile bagarre qui certainement pral passer parce que son police qui semble il faut nous refaire mais pourquoi prendre plus bien l'histoire qui gagne derrière tout ça avec ça qui va le passer yo moi invite nous tendez une petite analyse qui à la fois montre aspect politique et puis l'histoire qui cache derrière ça et puis une série de bagages qui va le faire à partir de le Normil Rameau fin installé comme directeur général la police nationale pas oublier ou sous Wendy 509 et nous saluons tout haïtien qui tout par tout côté haïtien qui en République dominicaine Saint-Martin Curaçao Bahamas haïtien qui en Argentine au Chili en Équateur haïtien qui dans pays la France dans pays la Turquie haïtien qui au Canada aux États-Unis au Mexique
tout partout depuis où c'est haïtien ou ka et rele une famille ou reconnaître nous à travers Aria Code là qui c'est 509. Pas oublier commenter, partager émission ça dans tout groupe, dans tout réseau. Nous on regarder est-ce que la police que nous gagne là hein, véritablement li capable faire face avec situation insécurité que nous gagne là. D'abord on nous regarder historique la police là. PNH là, nous songe qui venait à la suite de et différent que Jean-Bertrand ici te gagne avec l'armée. Donc on dit avant l'armée et la police étaient font seul. Mais la constitution de 1987 vient séparer l'armée de la police. Maintenant ici vini en novembre 1994 gon loi qui portait création de la police là et la police a vient effectivement créée en 1995 en quelque sorte dans contexte que la police a créé et comme si c'est la police Jean-Bertrand Aristide que l'était parce que à l'époque et Jean-Bertrand Aristide c'est lui qui était président gain en pile police qui était de sensibilité politique qui était très proche de la Valasse en pile était ancien officier dans l'armée qui venait intégrer la police là à travers une sorte de principe qui était établi. Donc next ça yo véritablement c'est eux même qui viennent faire la police là dans un premier temps et en pile t'ai des sensibilités politiques. Donc ça fait un jour que l'histoire de la police là, il est important pour nous dire que l'histoire de la police là, son histoire de leadership, de direction et pour comprendre à chaque moment comment la police là fonctionnait, faut regarder qui est ce directeur général. La police là commençait avec et Adrien Rameau. Adrien Rameau, c'est une bon, c'est premier monde qui dirigeait la police là. C'est premier directeur général de une nouvelle police qui vient créer, qui vient nommer quelques semaines avant que première promotion cadet qui était diplômé le, en juin 1995 et qui était rejoindre une nouvelle force police là. Donc Adrien Rameau passait seulement environ 7 mois dans la police là, quoi c'est mai 95 pour arriver décembre 95. Après Adrien Rameau vient gagner ancien colonel dans l'armée qui était Fourel Célestin Golavalas qui était nommé sous principe que n'ta parlé tout à l'heure qui était bay priorité avec des anciens officiers qui ont même été appartenu avec l'armée que Aristide était démobilisé hein. C'est moi qui devine former cadre dans la police là et mais à l'époque vraiment pas de gain à faire passer au parlement puisque le parlement était dysfonctionnel. Nous voyons par la suite que Fourel Célestin qui était vienne sénateur en 1997 pour département sud-est et qui pita nous songer qui t'a le président grand corps là donc le Sénat Fourel Célestin qui était allé aux États-Unis incarcéré pour question drogue mais qui était environ passé 5 ans l'autre boy était retourné en Haïti donc Fourel Célestin c'est deuxième monde qui dirigeait la police là. Troisième monde qui dirigeait la police là c'est Pierre Denisé qui déjà mouri et Pierre Denisé c'est vraiment des monde qui mettait la police là campée à travers des unités spécialisées qui est important pour la police là. Et je dis à Sinka parler de Simo, Sinka parler de SWAT, Sinka parler de ensemble de réformes qui mettent la police là campée, eh bien, c'est Pierre Denisé. Et une chose qui est important avec Pierre Denisé, il va le développer tout à l'heure, c'est que monsieur, c'est une personne qui passe plus de temps dans la police là. Il y a trois personnes comme DG qui passent plus de temps à la tête de la police nationale d'Haïti. D'abord, c'est Mario André Sol qui fait 7 ans. Ensuite, c'est Pierre Denisé qui fait 5 ans. Et après, c'est Godson Aurelius qui fait 4 ans. Pierre Denisé, Jodia, bon, qui mourit en 2017 aux États-Unis. Monsieur, c'est une nan moun. Ou bien, monsieur, c'est directeur général. Que tout ancien directeur général est d'accord, c'était une nan pi bon. Yo. Si c'est pas l'été pi bon. Yo. Et moi, je dis ça, Jodia, c'est un pile, on va parler de Guy Philippe. D'abord comme commissaire de Pétionville, comme commissaire et au niveau départemental. Donc, cheminement parcours Guy Philippe dans la police, Lidwell avec Pierre Denisé. Pierre Denisé fait 96-2001 et c'est sous administration Préval là. Donc, Talon va faire des considérations politiques pour nous montrer que la police là en forme. C'est surtout là le directeur général qui stable cap travail et une bagarre qui connait que directeur général ça stable cap travail c'est parce que mon président qui d'accord ça parce que tout à l'époque la police était toujours politisée. Quatrième monde qui vient directeur général la police il va faire un peu le temps c'est 2 ans c'est Nesli Lucien monsieur qui était en charge de la sécurité rapprochée de président Jean-Bertrand Aristide donc Lavalassien et monsieur qui était démissionné en 2003
dans ensemble de mesures qui étaient visées pour mettre en application et ensemble de recommandations que OEAT fait parce que à l'époque OEAT remarqué que la police dans moment Aristide là parce que pas oublier entre 2000 et 2003 Aristide a connu un pile bouleversement politique, il pas à l'aise, il t'a opéré un pile changement dans la police là parce que il était voulait mettre camper en police qui répressive parce que il était voulait réprimer manifestants. C'est dans l'époque ça que vienne gagner Jean et Nestlé Lucien qui vienne directeur général de la police là et nous songer que monsieur lui-même était victime d'un attentat en 2015 au niveau de tabac. Cinquième monde qui vient diriger la police là, c'est Jean-Claude Jean-Baptiste. Qui vini en mars 2020, en 2003, deux mois après monsieur obligé à aller. Parce que la communauté internationale à l'époque qui était des recommandations que le fait par et l'intermédiaire de OEA qui était dit que le parlant monsieur. Bon, nous connaissons un principe par Borisite côté depuis longtemps ça existait puisque la police là c'est pas comme si oui Aristide devait la police là, mais Aristide pas de expertise pour te camper la police là de manière moderne. La police a toujours été la police de trois grandes puissances ça yo. Les États-Unis, le Canada et la France. Donc c'était eux-mêmes qui étaient approvisionner la police en matière logistique, c'est eux-mêmes tout qui participaient dans la formation de la police là. Et c'est eux-mêmes tout qui participaient dans le commandement de la police là. Et c'est dans ce sens ça, en 2003, et Aristide était obligé de quitter Jean-Claude Jean-Baptiste à aller parce que OEA n'a pas trouvé ça. Donc, pas oublier que crise 2000, tout est joué pour beaucoup, n'a forcé Aristide à prendre de l'autre monde. Donc, par la suite, Aristide a pris Jean-Robert Faveur. Jean-Robert Faveur lui-même était complètement en désaccord avec Aristide en 2003. Et monsieur, il était démissionné après qu'il était fini d'entrer en fonction très rapidement. Et nous songeons que monsieur était passé par frontière pour aller en République Dominicaine. Donc, c'est pendant monsieur en République Dominicaine, monsieur était même traversé, aller plus loin. C'est le ça, Aristide a pris compte que Jean-Robert Faveur, qui c'est sixième DG de la police là, monsieur pas dans pays encore. Après Jean-Robert Faveur vient gagner en femme, Jocelyne Pierre. Et Jocelyne Pierre c'est tout d'abord Jocelyne Pierre ça a 10 ans depuis que le mouri en 2014. Jocelyne Pierre c'était vraiment un monde qui était non à fonctionner dans cadre normal. Femme qui a fonctionné selon la loi. D'ailleurs, il était doyen tribunal première instance pour au prince, il était dans parquet et il était nommé par président Aristide qui était en pleine crise politique à l'époque. Donc ça veut dire que Aristide a cherché des mondes plus ou moins qui étaient acceptables dans les yeux internationaux là et puis tout dans les yeux à l'époque opposition. Mais ça Aristide a toujours besoin, c'est en police qui est capable de réprimer manifestants et qui est capable de dire tout à l'époque avec Chimério qui était dans le quartier populaire. Ça est extrêmement important. Par la suite, Aristide vient prendre un coup d'état, il quitte le pays et en 2004. Et en 2004, gagné Léon Charles qui vient. Léon Charles, à l'époque, il était dans la marine haïtienne. Parce que c'est un responsable de garde-côte que l'était. Et monsieur vient en tête la police là. Et monsieur vient participer. Bab dit participer, mais à cause de l'incompétence, monsieur, il y a un paquet de policiers qui ont mouru dans l'opération parce que l'opération était mal montée. Donc, Léon Charles, qui fait pratiquement mars 2004, juillet 2005, monsieur, pendant monsieur Léon Charles, le directeur général de la police, là, en pile policier mouri. Vraiment, opération était mal fagotée, policier a mouri. Léon Charles vraiment pas capable et c'est par la petite porte que monsieur quittait la police, là, pour la régler de l'autre bagaille. Donc, Léon Charles, qui est obligé de quitter, le Léon Charles quittait, vient gagner Mario Andrisol. À l'époque, Mario André Sol, il n'y a pas que le faire, c'est que monsieur réorganiser la police là. Parce que, il n'a pas oublié, les Léon Charles étaient dans la tête de la police là, c'était zéro tolérance. C'était une police qui était mal organisée parce que la police a été pratiquement abjurée, à imiter Chimère, une façon à organiser, une façon à opérer. Donc, la police n'est pas vraiment structurée. Mario André Sol, qui vient en juillet 2005, à la suite du départ de Léon Charles, monsieur pratiquement refait la police là. Il y a des soldats qui nous songeaient, c'est un monde qui était dans l'armée. Donc, c'est un gradé des forces armées d'Haïti qui intégrait la police là. Et qui était venu dans le cadre de 98. Alors, toujours en 98. Donc, il était exilé en 2002.
il fait 2 ans dehors et puis monsieur retourné Boniface Alexandre vient faire appel à monsieur pour le mettre comme directeur général la police. Donc Boniface vient prendre monsieur. Le Boniface prend monsieur, René Préval reconduit monsieur en 2009 et Martelly était continué avec monsieur lui-même comme directeur général de la police. Et Talen Bralzou que Mario André Sol, même j'avais pu adéniser, jusqu'à présent, presque tout ancien directeur général yo, et tout le monde qui gagne historique la police là nan mail, connaît que ces deux nexa yo qui pratiquement et fait pi bon la police par rapport à temps que yo fait, par rapport à façon que organiser la police là. Si on est avec Pierre Denise, tu es campé Simol, tu es campé SWAT, communauté spécialisée, il t'a mis en pile réforme dans la police pour te faire une police professionnelle. Marion Desol, c'est véritable monde qui continue avec organiser et la police là. Parce qu'à l'époque, sur Marion Desol, toute police était un numéro. Sur Marion Desol, toute machine était un numéro et toute machine était des signalisations. Toute machine était une indication qui dit maintenant qui département que y a travaillé. Donc, on machine qui travaille dans NIP. Pas capable à brûler n'importe quoi sans aucune explication. On machine qui est affecté dans le nord, pas capable à brûler n'importe quoi sans là sans aucune explication. Donc tout le monde qui vraiment gain bon esprit qui vive la police en un moment ça, t'es ouais on la police organisée. Donc on donne à César ce qui est à César. Donc c'est parce que et nous c'est fanatiquement on des sols mais ça n'est pas fait qui bon faut qu'on dise, faut qu'on encourage qu'on dise et c'est quoi ça va continuer faire pays. Après Marie-André Sol, vin gagner Godson Aurelius. Godson Aurelius, nous connaissons l'histoire de Marie-André Sol avec le PHTK, gen on ensemble de nèg qui étaient autour de Martelly, qui pas d'accord André Sol parce que André Sol était trop vlé en police tout tiré et j'aime je t'appropérer yo, il pas de faire en pile nèg PHTK plaisir jusqu'à ce que forcé et la mort ou au Martelly et puis yo joué dans parlement pour capable faire Marion Desol quitte ça parce que sous Marion Desol, il y a trois principes dans la police. Or, le nègre a choisi de faire bandit légal. Il n'est pas jamais d'accord que le nègre qui est directeur général de la police, son nègre qui ne prend pas l'ordre, son nègre qui n'est pas d'accord soumettre, ou bien son nègre qui a un souci pour le faire une police organisée. Parce que côté une police organisée qui a l'ordre, c'est pas côté un nègre qui a besoin de faire deal drogue, qui a besoin de toute malversation, capable de cohabiter avec elle. Donc ça fait que Marion Desol était en très mauvaise position parce que et monsieur de Gonjean tap travail en plus monde voulait dire que c'était rumeur là ça que monsieur c'est mon préval l'a fait plaisir parce que c'est mon préval lié donc puisque c'est PHTK son l'autre équipe son l'autre régime faut qu'il y ait l'autre monde donc par la suite après et changement ça a été venu opérer Marion Desol quitté Godson Aurelius vient monter en août 2012 et Godson Aurelius c'est un monde qui vraiment bien formé puisque monsieur diplômé dans l'académie de police en 96, monsieur était intégré la police, il était commissaire et monsieur c'est une nanek qui pas vraiment été passé dans l'armée pour devenir chef police. Donc c'est un nanek qui connaît la police. Malheureusement et Godson Aurelius t'es obligé pactiser avec pouvoir. En pile dérive Godson Aurelius était même rivé en côté là mettait maillot rose là mettait bracelet rose alors que la police par principe li a politique. Donc le on directeur général mettait bracelet rose mettait maillot rose ça veut dire ou appartenu avec équipe qui est en place là. Ça veut dire que ou appartenu avec équipe qui au pouvoir là. Donc son bagage en plus monte mal ouais que Godson Aurelius tap mettait et maillot rose bracelet rose pour être capable faire un pouvoir plaisir. Et donc Godson Aurelius nous changer que monsieur était venu en difficulté. Parce que après ça, monsieur était démêlé avec la justice pour une affaire de trafic illicite d'armes à feu et blanchiment d'argent, mais nous songeait que t'es un coup d'appel qui t'est retiré chez ça sous monsieur. Je dis à la monsieur qu'a posé la vive sans que par aucune poursuite la justice d'elle. Bon, après Godson Aurelius, vient Michel Ange Deon. Sous Michel Ange Deon, t'es plus ou moins bon police qui dynamique. Michel-Ange Léon, qui est nommé en 2016 par Jocelyne Privert, et monsieur a eu un petit problème avec Jovenel Moïse. Parce que ça arrive, c'est que sous Jovenel Moïse, il y a un pile tripotaille sous Michel-Ange Léon. En plus, on a fait Jovenel comprendre que Michel-Ange Léon, c'est un joueur qui a joué contre lui. Ce n'est pas mon parle. Et Michel-Ange Léon, il a joué pour prendre le pouvoir dans Jovenel Moïse. Et ça,
La petite histoire racontait que à un certain moment, précisément dans la période de l'Okla, conseil de monde qui était conseillé Michel-Ange Dion prend pouvoir dans mes Jovenel. Mais il pas choisi apparemment. Mais ça c'est discorde qui était gagné entre Jovenel Moïse et Michel-Ange Dion. Donc Michel-Ange Dion qui était subi en pile pression du gouvernement, ne songe que mandat pas renouvelé parce que Negio pas à les avec et surtout Jovenel Moïse pas de finalise avec monsieur. Et Michel-Ange Dion c'est presque même j'ai Mario André Sol, presque même j'ai avec Pierre Denisé. Et même si c'était une situation que nous pas de fin souhaiter, monsieur c'est une année qui a arrêté un chef gang. Arrêté un chef gang qui c'est Arnel Joseph, même si en plus on pas souhaiter que c'est quoi ça a été arrêté Arnel. Mais Michel-Ange Dion, c'est une dernier, j'ai envie de dire ça. Dernier directeur général qui font opération en d'un village et qui montrer que l'un d'un village li montrer que l'un base négio depuis Michel-Ange Dion en 2020 pas jamais aucun directeur général de la police qui fait opération dans d'un village ça va en fait bon Michel-Ange Dion pas renouvelé bon vinn gagner par la suite et Normil Rameau. Normil Rameau te grand pile promesse parce que il était dans DCPJ parce que en plus on te pensait que il pourrait mettre toute connaissance que il gagne sur question renseignement pour te vinn traquer une série de nèg qui fait des zones dans pays là. Mais Normil Rameau et monsieur vraiment son équipe était fait partie de 4e promotion de la police là, son monde que vous connaît et qui était nommé par Jovenel Moïse en 2019. Donc pour comprendre Michel et Normil Rameau, faut regarder tout dans l'époque là, c'est que Joseph Jout qui était très à l'aise au début avec Normil Rameau, que il était con au tel te comme on est qui avec toute information que le gain en main puisque le était dans des CPJ sur un série négicite il était pensé que le était faire négicite peur et il était pensé que il était faire négicite fait bac sur un série de activité que tu as mené et Normil Rameau gain pile il fait un pile temps pas jamais agi comme directeur général de la police même si tout faut nous connaître que sous Normil Rameau et Joseph Jout à l'époque qui était premier ministre monsieur t'es joué une formule pour te baisser kidnapping nan. Et une formule que j'ai joué, c'est que tu mettais des containers pour empêcher que les villages ni monter des sons à faire kidnapping. Et ça a marché pendant un certain temps jusqu'à ce que l'autre vienne bail, les gens viennent retirer et ça nous containers et puis les gens commencent à faire des autres kidnappings dans le retour. Ils viennent qu'on pique. Depuis le là, nous on va kidnapping. Alors, Normil Rameau, c'est ton déception parce que le monsieur a monté en 2019. En plus, on te dit, bon, voilà que on est quitté dans DCPJ, qui compte dans ce négicite, qui compte ça les renseignements, prend en tête la police là, t'as dû un gros travail qui fait pour éviter que le pays a été sombré. Parce que, ouais, en 2019, si Normil Rameau te fait travail que le dernier pour le faire, véritablement, ça, tout le monde te souhaité, ya, c'est clair que Jodian pas tape là. C'est clair que Jodian pas tape là. Donc, Normil Rameau vient aller, en plus, le politique voulait aller tout. Nous venons gagner Léon Charles. Léon Charles, c'est assez inédit parce que ça va déjà fait avant qu'on ait sorti dans la police là, en étant directeur général, pour retourner comme directeur général, alors que le principe de la police là, c'est que de vous finir directeur, pas qu'à rien encore. Parce qu'on pas qu'à sortir pour retourner dans la police là encore. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de parlement et Jovenel Moïse, en pile pression, il a fait le nommer Léon Charles, mais on sait tous que Léon Charles, il a gagné patron lui. Nous connaissons qui sensibilité politique. Li. Donc, au côté de Jovenel Moïse, Léon Charles était en mission. Donc, Léon Charles, monsieur vini en novembre 2020, et nous connaissons Léon Charles, j'en ai dit à l'heure, monsieur c'est un ancien militaire qui vient dans la police, qui était responsable garde-côte, et de mars 2004 à juillet 2005, il était directeur général de la police, là. Après, il vient diplomate, il représentait Haïti dans l'OEA. Donc, monsieur était retourné par la suite. Monsieur retourné, pour un mandat à titre intérimaire. En attendant que l'élection t'est faite, que t'es capable de mettre un autre directeur général de la police. Le Léon Charles vini, en pile média, bah, monsieur parlé, monsieur commencé par en pile, monsieur fait deux, trois tentatives sous Negio et au niveau de quoi des bouquets, qui échouait. Mais, ça allait jusqu'à ce que, sous Léon Charles, alors que Arnel Deguet a mouru, gang village de Dieu a vint plus fréquent. Malheureusement, sur Léon Charles, le 12 mars 2021, nous songeons catastrophe qui est arrivée. Policiers mourir,
policiers blessés. C'était vraiment un pays qui était côté monde meurtri à regarder ça qui est arrivé au niveau du village de Dieu. C'est un pigou échec mais qui était annoncé puisque lors de premier mandat de Léon Charles dans tête la police là, c'était même bagaille là. Au moins une soixantaine de policiers étaient morts sous période transitoire ou bien transition Aristide là. Et Léon Charles retournait encore policier mort. Et le plus dur dans tout ça c'est que il y a un président de la République qui mourit pendant que Léon Charles, il est directeur général de la police. Et en plus de ça, sous Léon Charles, c'est une police qui était complètement désorganisée. Il n'y a pas que nous, sous Léon Charles, il faut dire toute la vérité, c'est que c'est sous Léon Charles que nous arrivons que soit a fait circulation. Soit que c'est une unité d'élite qui t'a supposé toujours à entraîner, qui t'a supposé visible seulement dans le cadre d'opération, ou bien dans le cadre des interventions spécifiques, mais soit t'es complètement banalisé dans toute la rue, soit même camper faire circulation sur Léon Charles. Bon, naturellement Léon Charles t'a fait soit là comme unité favorite li, côté il était souvent qu'on habillé comme soit et ça sont qui un peu traditionnel parce que chaque directeur général de la police remet vertu de une unité que le sentit à l'aise là-dedans. Marie-André Sol, le pas porter crème bleu, il était qu'on porter bim. Gayen Michel Angel était qu'on porter BLTS sous lui. Gayen de l'autre directeur général qui plus ou moins était qu'on porter costume ta coupe Denisé. Léon Charles lui-même te kon pote uniforme SWAT là pour montrer affinité li avec SWAT là comme on est qui croit dans unité ça comme unité d'élite mais c'est même pas la même occasion monsieur son est qui te banalisé corps ça qui est le SWAT là et depuis le massacre SWAT Boyd dans cadre opération ça qui était mal tourné dans village de Dieu nous avons l'impression que bandi yo vinn pour ascendance sous SWAT yo qui vinn faire que banaliser yo davantage. Bon Léon Charles t'est obligé aller parce que Jovenel Moïse mourir il pas ta faire pour lui. Vin gagner France LB. France LB depuis octobre 2021. Monsieur là, seul ça ne t'a dit pas réglé un. Il pas gagné bilan. Et je dis à si gagne un dans monde qui bien populaire qui gagne dans pays il relé Léon Charles et pas Léon Charles, il relé France LB. Et par ailleurs France LB Léon Charles, ça paraît bizarre. Deux nèg ça en bif. Et deux nèg ça en bif là. Si je dis à n'a campé ou n'a chercher depuis mauvais directeur général de la police obligé un compte Léon Charles qui bat un record puisque lui deux fois directeur général de la police et pendant deux fois ça a sorti même gens en pile policier mouri sous compte lui Léon Charles lui-même là pourquoi aller mais déjà en pile policier mouri et trois policiers mouri là et comme si Sindadou Léon Charles pas gagné contrôle la police là ça qui est important. Donc, deux nèg sa ou c'est deux nèg qui passe la police là comme étant directeur général qui pi mal. Et depuis bon de dit ça déjà, c'est Mario André Sol, Pierre Denisé. Et une raison qui fait que nèg sa ou plus ou moins réussi dans la police là, c'est parce que te gon certain René Préval, président de la République, à deux reprises qui était d'accord avec nèg yo travail. Alors que Aristide lui-même, il était toujours très mal à l'aise avec la police là parce que le TV c'est police pâle, son police politique parce que le TV gagne la police pour capable réprimer manifestants pour capable gagner contrôle pays là. Avec Michel Martelly c'est presque pareil, on police qui mélangé avec gouvernement, on police qui pouli, on police qui va laisser passer avec deux ensemble de trafic, deux ensemble de malversations. Donc ça veut dire il faut dire la vérité, négicite, il y a pas jamais à l'aise avec force de l'ordre puisque depuis qu'il y a l'ordre dans le pays, il y a une série d'initiatives, une série de projets que les négociés gagnent, ils ne peuvent pas exécuter. Les négociés ont un pouvoir, ils ont besoin de réélu rapidement. Ils ont besoin de la police là, qui soit le renforcer, peut-être lui, soit le faiblir, pour permettre que des forces parallèles, ou même des forces paramilitaires, viennent aider au volet élection. Très simple. Donc, et ça, tout le monde, ça s'est fait. Et son problème qui gagne même avec les dirigeants haïtiens, si vous regardez Duvalier, il te gagne Makout. Souvent, il y a gardé avant, certains avec Kakou, d'autres avec Piqué. Donc, tu as toujours gagné des forces paramilitaires, tu as toujours gagné des forces qui n'ont pas pu être sûres pour être capable de faire travailler la police dans la place li, ou bien faiblir la police dans pour consolider des pouvoirs à partir de forces qui ont été estimées qui étaient plus loyales envers eux-mêmes. Donc, ce qui est très sérieux, qui est très profond, et que nous avons regardé dans l'histoire pays et puis comportement, nous avons dirigé avec force de l'audio. Donc, la police, je dis à la. Sur la police, en 2017, on te joint que il y a environ 14 000 membres. Bon, 7 ans après, bah même que la police a gagné 10 000.